Direction Faa'a, dans la vallée de Noutania, où ce matin, le quartier de détention des femmes a reçu la visite d'une chorale de Noël, un moment d'évasion que nous vous faisons partager. Regardez. C'est un honneur pour nous de venir aujourd'hui vous offrir ce petit moment à la demande d'Evelyne. Nous sommes heureuses de venir nous associer à vous pour vous faire passer au moins un petit moment de bonheur. C'est la deuxième fois cette année qu'un concert est organisé au centre de détention des femmes à Noutania. Certaines de ces femmes sont mamans et connaissent le répertoire proposé par la chorale. Elles chantaient ces chansons à leurs enfants. C'est avec grande joie que nous voulons apporter avec ces mamans et ces personnes ici incarcérées la joie de Noël. Nous n'avons pas le droit de le garder pour nous, nous devons le partager. Il est venu pour tout le monde, sans conditions et sans circonstances. Il est venu pour sauver le monde. Et c'est un peu le message que nous voulons déposer ici et leur dire, ben, nous sommes de tout cœur avec elles et c'est avec notre amour de mère que nous venons chanter pour eux. À l'issue du petit concert, des cadeaux leur ont été remis durant leur détention. Ces femmes ont pu suivre des formations qualifiantes. La dernière était pour la préparation de bouquets de fleurs. En ce moment, je fais beaucoup de formations, par exemple comme la couture. Au plus tard, j'irai au CEFI pour me renseigner si je peux faire un atelier pour moi-même à la maison, pour aider aussi un peu les femmes. Et pour plus vivre en dehors de ce que j'ai vécu ici en détention. La réinsertion reste la priorité de la direction du centre de détention. De nouvelles sessions de formation sont prévues dans les semaines à venir. Leurs coûts sont en cours d'évaluation. On a contacté le CFPA pour voir ce qu'ils pouvaient nous offrir sur des petites sessions courtes, vu le turnover et la moyenne de détention. Et à chacun, on a demandé une évaluation chiffrée pour pouvoir demander les budgets qui ont été plus ou moins validés. On n'a pas la réponse définitive, mais normalement, c'est en bonne voie par la mission Outre-mer. Prochaine session de formation, multiplication de végétaux, boulangerie et pâtisserie.